Difficile d'imaginer la place du Mistral sans Myrta. Pour autant, Sylvie Flep, son interprète, acceptera-t-elle de revenir dans Plus belle la vie? Présente depuis le lancement de la série en 2004, la comédienne cesse de laisser aller à quelques confidences. Alors que l'annonce officielle du retour de Plus belle la vie n'est plus qu'une question de temps, la liste des comédiens qui remplissent dans leur rôle s'allonge. Les inconditionnels du feuilleton le plus marseillais du petit écran, inconsolable depuis son arrêt le 18 novembre dernier, se réjouissent de cette résurrection incroyable. Myrta, l'ancienne taulière du Select, l'ancêtre du Céleste, qui n'a pas sa langue dans sa poche ni son pareil pour colporter les rumeurs interprétées par Sylvie Flep, figure parmi les personnages qui retrouveront la place du Mistral. Plus belle la vie, des retours inattendus? Ils pensaient la série morte et enterrée, mais Stéphane Hénon, Boé, Jérôme Bertin, Patrick Nébou, Marie Réache, Babette Nébou, Pauline Bression, Emma, et sans doute Brian Trésor, Baptiste, n'ont pas caché leur joie à l'idée de retrouver leur personnage, selon nos confrères de Télé 2 Semaines. Tout comme Sylvie Flep, Myrta, qui laisse entendre que le retour de Plus belle la vie s'accompagne de quelques surprises, tant côté décor que comédien. Les décors n'existant plus, je sais que ça bougera un peu, ce ne sera pas totalement pareil, confie l'interprète de la sexagénaire. Quant aux acteurs, Sylvie Flep laisse échapper que certains repartent la fleur au fusil et que d'autres, qui étaient partis d'eux-mêmes, du feuilleton, vont peut-être être revenir. Nicolas Berger-Vachon, Bastien, n'ayant pas été contacté par la production pour le moment, tout laisse à croire que Virgile Bell, Guillaume Le Serment, puisque dans le dernier prime, son personnage, très apprécié du public, épousait Luna, interprétée par Anne Bessy, dont le retour est un secret de Polichinelle. Plus belle la vie, le point sur Myrta dans le dernier prime de la série. Myrta est un personnage non seulement historique mais tout aussi emblématique de la place du Mistral. La mère de Luna, qui a longtemps été la compagne de Roland, est une paroissienne et une fervente pratiquante qui ne demande qu'à s'encanailler un peu. Il suffit juste de la pousser. La seule à y parvenir est Yolande, la mère de Babette. La preuve, dans le dernier prime de la série, Myrta passait devant Monsieur le maire et passait la bague à la rousse Baba Cool, son ami qui, comme la cigale, aurait pu se retrouver fort démuni. Si Jérôme Bertin, l'interprète de Patrick Nébou, a confié qu'il serait de retour avec Marie Réache, qui joue Babette son épouse, on ne sait encore rien d'Elisabeth Coblin, qui incarne Yolande. Nah.